Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu, et bienvenue chers amis dans Planet Crafter, votre septième épisode, mais un épisode très spécial. Voilà, Tatsu il a trop donné. Tatsu il a trop donné, donc il est complètement HS. On est en après-midi déjà, donc je suis pas sûr de pouvoir vous sortir cet épisode à temps. Voilà, tout simplement parce que ces deux derniers jours, bah, il a fait la guerre, Tatsu. Tatsu il a fait la guerre. Ah, tant du titane, on en a trop. À la rigueur, ça, on peut prendre. Ouais, prends tout. Prends tout. Range tout. Ok, et oui, Tatsu, il a fait la guerre, la Pixel War. Ça a été fou. Ça a été fou comme événement. Vraiment, ça a été absolument dingue. Et bah finalement, je me suis régalé. J'y étais, je peux dire, j'y étais. Et je peux vous dire une chose, c'était fou, absolument fou. Donc voilà, du coup, niveau couchage, ça a été tard. Tard dans la nuit. Niveau réveillage, bon bah voilà, il a fallu quand même se réveiller, mais beaucoup trop tôt. On n'a plus de magnésium, on va déjà reprendre un petit peu de magnésium. Et ça a été absolument dingue de A à Z. Alors Pixel War, c'est sur Reddit. C'est chaque personne a le droit de mettre un pixel, une fois toutes les 5 minutes. Donc pour créer quelque chose de beau, il faut être des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Et donc bah dimanche, après que Fred du JDG nous ait laissé, il y a Bagheera Jones qui arrive. Bagheera Jones qui arrive. Et qui nous fait, parce que j'avais vu ça sur Twitter, pardon. Et je savais pas le pourquoi du comment. Et en fait, ouais, les mecs, ils ont commencé à fabriquer un drapeau géant de la France et à le défendre parce qu'évidemment, bah, les Espagnols, ils étaient pas contents, les Ricains non plus. Donc voilà, il a fallu avertissement oxygène. Oh, bah dis donc, j'ai failli mourir. Donc voilà, il a fallu défendre tout ça et ça a été absolument fou. Ça a été une aventure dingue de création, donc je suis littéralement resté quasiment 2 jours, 2 jours sur Twitch à faire ça jusqu'à tard hier soir où on a tout de même tout déchiré, hein, il faut le dire. Donc voilà, ça a été incroyable en rebondissement, en défense, en pugnacité. Il a fallu tenir, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fallu tenir. Les Espagnols qui ont été, alors je parle pas des Espagnols en général, je parle des streamers, enfin du streamer espagnol. Ipsy, là, Ibaïs, je sais plus, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a été infect, il a été odieux. Il y a eu aussi. Bah, c'était quoi, dimanche? Bon, on lui a donné une bonne leçon au mec. Il s'appelle, comment? Hassan, je crois. Un très grand Twitcher, slash YouTuber. Quand même, les mecs, 1 million, hein. Enfin, lui, il avait 1 million. Ibaïs, je crois que c'est 8 millions sur Twitter. 10 millions sur Twitch, 9 millions sur YouTube, enfin un truc de fou, un truc de fou. Donc forcément, t'avais tout le Twitch français qui était là, et c'était pas dommage, quoi. Ah oui, non, mais j'ai très envie d'en parler. C'était dingue, 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 dingue. Donc voilà, il a fallu s'organiser, il a fallu tenir, il a fallu construire, reconstruire. Ils nous ont accusés de botting. C'était une énorme connerie qui n'était pas du tout vraie, bien sûr. Et si vous voulez, moi j'ai vu que c'était pas du botting. Les mecs, ils étaient là, mais en masse, quoi. À un moment donné, on arrivait à genre 600 000 personnes avec tous les streams. Confondu de tout, il y avait Camelto, il y avait Zerator, il y avait Antoine. Moi j'étais chez Antoine, je suis un peu à la maison là-bas, et c'était pas du botting, quoi, le machin. C'était vraiment des gens qui avaient à cœur de bien faire. Il suffisait d'aller t'inscrire sur Reddit. Est-ce qu'il y a du nouveau là? Non, hein, il n'y a pas de nouveau. Qu'est-ce que c'est ça? Peut-être un futur truc? Non, pas du tout. Oui, il suffisait de t'inscrire sur Reddit. Et en fait, tu pouvais poser ton truc et t'avais un pattern et tu savais exactement où construire. Voilà, il fallait juste le télécharger, mais ça changeait rien au fait que tu pouvais mettre qu'un seul pixel
une fois toutes les 5 minutes, voilà. Donc moi j'ai vu les milliers de personnes mettre un pixel une fois de temps en temps et tu vois que ça avance tout doucement, tu vois que le temps de réaction, le temps que les gens choisissent un pixel, c'était absolument, absolument fou. Bref, belle aventure, j'ai vraiment la sensation, et ça je vous dis ça pour de vrai, d'avoir vécu quelque chose, comment dire, un vrai affrontement historique sur Internet. En tout bien, tout honneur, évidemment, c'est pas les Espagnols. On les aime, évidemment, les Espagnols. Mais les Twitchers espagnols, surtout lui, là, ils ont été infects. Hein. Ils ont été infects. Hassan aussi, qui a dit des méchancetés, des horreurs. Cet enfoiré, bon, bah, on l'a bien puni, quand même. Hein. On a effacé tout ce qu'il a fait. Comme ça, c'est fait. Il nous a chié dans les bottes. On a fait le GIGN avec Zera. On y est allé. On l'a pulvérisé. On l'a pulvérisé, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Et il a chialé sa maman, il a rage quitte. Et ça, c'était génial. C'était absolument fantastique quand il a rage quitte. Ok, ça c'est bon, c'est bon. Alors, on essaye de débarrasser un peu tout le merdier. On prend tout. On prend tout sauf le métal. Le métal, le cobalt. Oh là, la rigueur, le cobalt. On en a trop. Donc ça, bon, bah tant pis, hein, on jette, on peut pas en faire grand-chose pour l'instant. Le silice, on garde. Même ça, on jette. Poubelle. J'ai encore jeté une bouteille d'eau. Je crois que j'ai encore jeté une bouteille d'eau. Donc voilà, Tatsu, il est claqué, cobalt. Tatsu, il est complètement HS, mais ça a été fantastique. Je peux t'assurer que comment dire, les attaques, parce qu'on a été attaqué depuis dimanche soir. Ouais, prends tout. Depuis dimanche soir, ça a été des attaques incessantes. Les Américains et les Espagnols se sont mis ensemble. On a essayé de négocier pour leur dire, mais ils voulaient la moitié de notre drapeau. Parce que soi-disant, ils avaient une communauté qui était plus grande que la nôtre. Mais finalement, à quoi bon? Vu que de toute façon, nous, notre communauté est assez forte pour survivre. Est assez forte pour encaisser leurs attaques. Donc ils sont... Mais vous vous imaginez un petit peu le truc? Il y avait littéralement, facilement, plus d'un million de personnes qui se sont affrontées pour mettre leurs pixels toutes les 5 minutes. C'était énorme. Énorme. Et eux, évidemment, ils ont botté comme des salopards. Et tous les streamers sur leur stream, on voyait leur truc de bot. C'était une honte. Une honte, alors qu'on est resté propre jusqu'au bout. Propre et soudé. Attention, propre et soudé, mon gars. Ça a été fantastique. Voilà, ça a été fantastique. À un moment donné, Camelto, il a fait 400 000 personnes. Nom de Zeus, quoi. 400 000 personnes. Donc voilà, j'avais envie de vous faire partager ça. De toute façon, bon, bah bref, le jeu, on y joue, quoi. On y joue, et je peux dire, j'y étais. Voilà, j'y étais. J'avais la sensation d'avoir participé à quelque chose d'immense. Je suis resté là jusqu'au bout. Hein. Je suis resté là jusqu'au bout. All night long, baby. Hein. I want to stay all night long. On a rien lâché. Les Américains, les Espagnols avaient la haine. Ils avaient la rage. On n'a rien cédé, mon gars. Thomas Pasquet était magnifique. Il était grand. Camelto a tenu à un moment donné. C'était quoi? C'était l'autre, là. Il baillit, ça. Il fait « Ah, on a rien contre vous. On aime la France. Je suis allé à Paris. » Juste enfoiré. « Mais c'est Camelto, le problème. » J'écris en grand. « Mais monsieur, Camelto, c'est la France !» Sur le chat. Et puis, bah évidemment, ça a été repris par Antoine Daniel qui fait « Ma France, mon Camelto !» Absolument génial. « Ma France, mon Camelto !» On n'a rien lâché. À un moment donné, il voulait négocier. Puis je fais, on ne négocie pas avec les terroristes. Et t'as Antoine Daniel qui le reprend. Ah, on négocie pas avec les terroristes. J'ai adoré. Il a repris ma phrase. On était nombreux, on était 50 000 sur le chat d'Antoine Daniel. 50 000 personnes. Ah putain, j'ai pris du fer. Voilà, et donc coordonner toutes ces personnes, ça a été fou. Ça a été absolument fou.
ça a été une belle fête et une belle réussite, j'ai envie de dire, une belle réussite de défense. Alors évidemment, ce qu'il y a de bien, c'est que le monde entier, mais littéralement le monde entier, nous a rendu hommage. Ils ont vu qu'on a résisté, ils ont vu qu'on était fort, ils ont vu que la communauté française sur Twitch, et je dis bien Twitch, hein, YouTube, était hyper soudé, hyper développé. C'est un vrai régal. Bon, évidemment, c'est quand Zerator il est arrivé avec le GIGN, ça a été un régal encore plus. Okay, on rassemble des ressources, on n'a plus grand chose. Il nous faudrait. Ouais, silice. Bah alors, il nous faudrait donc silice et magnésium. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Et après, on va construire les nouveaux générateurs de chaleur. Si on y arrive d'ailleurs. Nouveau générateur de chaleur. Putain, il est magnifique ce désert. Il commence à être plein d'herbe. Voilà, donc ça a été fou. Je suis complètement claqué. Je pense la vidéo, je sais pas si elle sera en retard. J'aurais dû en faire une autre d'ailleurs. J'aurais dû faire une vidéo sur un joli petit jeu. Qui a l'air plutôt sympa. Un jeu de gestion de base spatiale. D'où Thomas Pasquier, hein, évidemment. Mais pas le temps. Est-ce que j'ai de l'oxygène? Je crois que j'ai une bouteille. Oh bah alors, elle est belle l'eau là. Ils l'ont transformée. C'est plus la même eau. Je crois pas que ce soit la même eau. Ah, donc là, comme c'est dans l'eau, là ça dépasse, tu vois, mais là ça ne. Peut-être un morceau. Non, ça ne dépasse pas, je ne peux pas la voir. On va faire un petit tour dans une grotte. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu il y a pas longtemps. Est-ce qu'elle est là? Oh, mais elle est parfaitement là d'ailleurs. Et je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Oh bah super! Ah oh, bah super, là oui, il y a un truc. Ouais, ça c'est bien, on peut tout prendre. Ah non, Bon, les graines, on sent carlognon. De toute façon, on reviendra. On reviendra incessamment sous peu. Ouah, elle est gigantesque, elle est quasi vide. C'est une porte. C'est une putain de porte. C'est une porte. Bon bah super, bon, on a trouvé une porte. Non, ça c'est le... Bah non, c'est pas pareil. Oh. Oh, fessier, tiens, dégage. On prend l'alu, putain, on a presque besoin de plus d'alu que de... Ok, Cassos, je crois que l'entrée est par là. Il faut qu'on revienne. Ouah, je me perds. Ah, mais non, parce que c'est pas le même, et donc là, la sortie est par là. Fiu. Y en a-t-il une autre? That is the question. Non, alors, le plus terrible, c'était vraiment shonen, les mecs. Si hein. On était là à construire doucement, et on s'attendait à des attaques. Donc l'après-midi... Ouais, juste tôt l'après-midi, hein, évidemment, il y a eu des attaques. Des Espagnols, juste des Espagnols. En fait, qui étaient, mais alors, ridicule. On a contré ça, mais tellement vite. On a contré ça, mais tellement vite. Et en fait, ça les a, mais complètement trigger, les mecs. Hein. Ils ont chouiné comme des bébés. Nouveau de nourriture. Est-ce que j'ai de la bouffe? Putain, c'est pas vrai, j'ai pas de bouffe. J'ai pas de bouffe. Je vais pas mourir à cause de la bouffe, faut pas déconner, OMG. Ah ouais, d'accord, le lac, il arrive jusque là, maintenant. Mais je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je suis pas concentré. Il y a la nuit. J'ai rien emmené à manger. Juste parti la fleur au fusil. Comme un débilus. Va-t-on pouvoir revenir? That is the good question. On met les phares. Ah oui, les attaques. Un satellite. Y'a rien à becter. Putain, y'a rien à becter, enfoiré. Y'a rien à becter. Bien dommage, ça. Ça fait bip. Je me dirige où, là? Oui, le vaisseau, il est là. Bon, il faudra revenir pour le satellite, là.
Et je suis loin, hein. Je suis loin. Phew. Oui, donc je disais, l'après-midi, tôt l'après-midi, ils ont commencé à nous attaquer. Évidemment, on a tenu. Hein. Mais le mec, il avait 200 000 personnes sur son chat à lui. Et ils étaient genre 11 streamers espagnols, il me semble. Hein. 11 streamers espagnols. Surtout le très, très gros qui a genre 9 000, je sais plus, 19 millions d'abonnés. C'est énorme sur Twitch. Sur Twitch, je connais aucun grand type, peut-être Squeezie à la rigueur, et encore, qui a autant d'abonnés. Énorme, énorme communauté, hein, énorme communauté. Mais ils n'arrivaient pas à se... Ils n'arrivaient pas du tout à se, comment dire, à se rassembler. Ils n'arrivaient pas du tout... En plus, à un moment donné, le calque, le comment on dit déjà, c'est, ils ont appelé ça un script, parce que oui, c'est un script, ça te dit... Ou poser tes trucs, mais c'est pas du cheat. Et ils ont cru que c'était du cheat, cette bande d'abrutis. L'overlay, bon, en anglais. Pour une fois qu'on parle en français, ça fait des histoires. Ok, peut-on manger un truc? L'overlay, ouais, qu'ils utilisaient pour... blablabla. Non, pas là, là, ok, du coup, on range le tout, et le silicium, putain, j'en ai pas beaucoup du silicium, hein. Il faut vraiment me bouger là-dessus, du magnésium, ok, de l'alu, du soufre, du l'iridium, j'en ai un, de l'uranium, on en a 4, et ce qu'on peut faire, c'est en prendre 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on va le transformer tout de suite en barre. Et puis bon, évidemment, on s'est préparé. Mais le soir, cette bande de salopards, ils ont ameuté les Américains. Ameuté des grands streamers américains qui avaient genre 2-3 millions d'abonnés. Énorme! Énorme, les mecs! 2-3 millions d'abonnés. Et évidemment, ils ont botté, mais alors, ils ont fait du botting, mais alors comme jamais. Comme jamais, les mecs, mais ils se sont, mais alors, fourvoyés. Et ils sont la risée d'Internet, hein. Ils sont littéralement la risée d'Internet. J'ai pas peur de le dire. On parle pas du peuple espagnol, bien évidemment, mais des streamers qui ont été ridicules, hein. Qui se sont ridiculisés. On voyait qu'ils bottaient, mais alors, comme des sagouins. Genre, les Français, ils bottent, ils ont jamais botté. La connerie, l'immense connerie. J'étais là, j'ai tout vu. Il est où le super alliage? Bah, il est là. Oh, putain, genre, je suis à chaise. Il est où le super alliage? Qu'est-ce que j'ai foutu avec ça? Il est... Super alliage, il est là. Ok, l'alu, on range aussi. Je l'ai foutu là-dedans. Bah, ça va, on a pas mal d'alu, là. Ce truc-là aussi, à l'engrais, hein, c'est pas mal. C'est de l'engrais niveau 2. C'est de l'exploser, c'est de l'engrais, bon bref, qui est compliqué à faire. Est-ce qu'on retournerait pas au satellite pour aller un petit peu explorer la zone là-bas? Oui, tu vois, regarde, je suis reparti sans eau, sans nourriture, je suis complètement HS. Je suis complètement HS, donc on se fait un petit... Ouais, prends tout. On se fait un petit épisode tranquillou bilou. On essaye de build. Il faut qu'on essaie de build un truc, là. Tout dernier chauffage de fou. Il y a les pendeurs de fleurs niveau 2. On avait mis ça. Les pendeurs de graines. Et ça, c'est directement un épandeur à fleurs. Il nous faut de l'engrais du super alliage. Largement faisable. Il est où le super chauffage de la mort qui tue? Et il me faut des barres d'iridium. La poudre explosive, barre d'iridium. Est-ce que j'ai de l'iridium? Oui, j'ai de l'iridium. Barre explosive, poudre d'iridium, poudre explosive, barre d'iridium. Voilà, je suis claqué. Je suis claqué, on se fait ça gentiment. Voilà, à la bonne franquette, on construit un petit peu. Ça en fait 3, c'est parfait. Super alliage. Est-ce que j'avais pas rangé de la poudre explosive? Que j'ai encore du super alliage. Ouah, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, terrible. Qu'est-ce que j'avais fait de la poudre explosive? Je sais plus. Mais je crois que c'est facile à fabriquer, la poudre explosive. Il suffit d'avoir un petit peu de soufre.
crois que c'est deux. Et je crois que c'est de l'iridium. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc évidemment, les attaques étaient, mais alors, terribles avec leur BTS, là, le truc... groupe coréen. Pourquoi des Espagnols aiment des groupes coréens? C'est culturel, me demandez pas. C'est des petits gars qui sont imberbes. Alors que les Espagnols, bon bah... les Espagnols, quoi. Mais qu'ils ont tous des barbes, un peu comme nous, quoi, finalement. Non, quel con. C'est du soufre. Ouais, je crois qu'on peut en faire deux de plus. Pourquoi? Donc ils ont voulu inscrire BTS sur... chez nous, en plein sur le drapeau français. On les a pas laissés faire. Et le problème, c'est que comme c'était du botting de leur côté, ils faisaient que remplir leur carré avec BTS en bleu. Cette bande d'idiots. En fait, c'était nul. C'était vraiment, vraiment nul comme attaque. Même s'ils étaient hyper nombreux. Comme ça, ils pouvaient se concentrer sur tout le reste. Mais on a tenu jusqu'au bout, mon gars. All night long. All night long. Ok, donc c'est 3. Wow, super alliage. Il va falloir en faire plus. Beaucoup plus. On va en faire 6. Pour en mettre 3 de plus, ouais, même 4. Oui, non, bah de toute façon, j'ai que 3, 3 trucs. Donc, ok, si on en fait 6, il me faut 6 alus. 3 d'alus. C'est ça. Non, parce qu'il me faut 9 d'alus. Bah oui. Ah, mais attends une petite minute. On va les faire peut-être par 5. Pour la bonne et simple raison que... Je fais du super alliage, hein, si vous vous demandez. Je fais du super alliage, donc cobalt. 1, 2, 3, 4, 5. Magnésium. 1, 2, 3, 4, 5. Chier, il n'y a pas assez de place. Silice. Trop de magnésium. Silice. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il me faut du titane et du fer en plus. Oh là là, oh c'est plein partout. Évidemment le titane. Tiens, même le titane il commence à être... Mais non, pas l'alu. Pas l'alu, on a dit OMG. Ok, titane, 5. Oui, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va pouvoir vraiment tout recharger. Ça monte doucement. Et 1, 2, 3, 5. Donc j'en ai 3 sur moi. Bah, si j'en ai 3 sur moi et que je veux en faire 3, c'est bon, hein. Non, c'est pas bon, connard. Il m'en faut au moins 1, en fait. Putain. Fais-en 3 de plus. Fais-en 3 de plus, 1, 2, 3, le silice, 1, 2, 3, est-ce que je peux prendre tout le reste? Pas tout de suite, magnésium, 1, 2, 3, ah, je garde tout, je coupe rien, je garde tout, c'est vraiment un épisode pour rien, c'est vraiment un épisode Mutatsu, non pas du soufre, Mutatsu il est complètement à la ramasse. Ok, ça c'est fait, et donc au final, la fin ça a été terrible. Parce que tu mettais ton pixel à chaque fois, mais vraiment, on attendait. Il y avait cette rotation qui était fantastique, c'était du génie. D'ailleurs, qui nous ont vite repris. C'est-à-dire, on attaque, on fait des groupes de 4. Des groupes de 4. Et pour savoir qui attaque quand, eh ben, c'était extrêmement simple. C'était par la date de naissance. C'est-à-dire, si tu étais né en hiver, t'étais dans le groupe hiver, si t'étais né en été, t'étais dans le groupe été, donc il y avait 4 groupes, et pour défendre, parce qu'on attendait, on les laissait attaquer, et on défendait juste derrière, et c'était franchement super super intelligent de faire ça comme ça. Ok, du coup je peux pas parce qu'il va me falloir 2 d'iridium à chaque fois, et je n'ai que 3 barres, c'est ça, hein. Et je n'ai que 3 barres, on peut pas en faire d'autres, à la rigueur on essaie d'en faire 2, plus d'iridium. Plus d'iridium. Bon bah tant pis. En faire un et d'ailleurs il me semble que qu'on va aller chercher d'iridium en fait.
On va aller chercher de l'iridium dans le. Ouais, on peut faire ça comme ça. Bon, bah voyons voir. Déjà, on va le mettre en place. Ça va nous faire un up. Un up, tout simplement. C'est celui-là. Où c'est qu'on le place? Bon, écoute, on va le placer là. Évidemment, évidemment, c'était couru. J'en étais sûr et certain. Je l'ai quand même placé. Parce que j'ai beau être sûr d'un truc, je le fais quand même. Voilà, donc pour la défense, ils nous attaquaient comme des sacs avec leurs bottes dégueulasses. Et on tenait. Le soir, alors, il y a eu une vingtaine d'attaques. Plus qu'une vingtaine d'attaques. Bah hier soir, quoi. Le lundi soir, l'uranium, magnésium, abruti. Les deux là, les trois. Qu'est-ce qu'il me fallait? L'explosif, ça tombe bien, j'en ai déjà. Et donc c'est celle-ci. J'ai absolument tout, j'ai de la flotte, j'ai tout. Évidemment, celui-là, il va consommer quelque chose. Ils nous attaquent avec leurs bottes comme des sales. Et on a résisté. Évidemment, à la fin. La toute fin du truc, parce qu'on attendait que le serveur y ferme, hein. Notre victoire à nous, c'était pas seulement de défendre le drapeau. Drapeau bleu, blanc, rouge. France, mon gars. Mais c'était aussi de ne rien les laisser construire. Et ils n'ont rien construit. Rien du tout. Et ça, c'était beau. Au final, on a défendu comme des chefs. Ils n'ont strictement rien construit. Ils ont été coq, mais de la manière la plus délicieuse possible. On a représenté la France, on a défendu brillamment, vaillamment. Ça a été un vrai régal. Ça a été un véritable régal. Ok, j'ai de la bouffe, ça il faut que je pose. On manque d'iridium. On manque malheureusement d'iridium. On va faire un petit peu d'exploration. Bioplastique, qu'est-ce que j'ai fait? Super alliage, il est là. Waouh! J'ai la tête dans le cul, les enfants. Je vous le cache pas, j'ai la tête dans le cul. Tiens, pose ça là. Ça, moi, je sais où le trouver. Et l'iridium est ici. J'ai une barre. Une barre, il va me falloir beaucoup, beaucoup d'iridium. Il faudrait envoyer une fusée, en fait. Ouais, mais c'est pas incroyable du fion non plus. Hein. Bon, on peut aller explorer, je vous dis à tout à l'heure. Ok, chers amis. On va faire la chose suivante. On va mettre un petit pod ici, là. Tiens, regarde. Hop là. Mettre un petit peu de silice là, un petit peu de métal là, un petit peu de remétal, besoin ou pas, je crois qu'il me faut surtout du, pour la porte, un petit peu de titane, juste un petit peu de titane, louillez-tu le titane. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir participé à pas grand chose, hein. C'est un pixel toutes les 5 minutes, hein, par personne. Évidemment, il faut le faire au bon moment, et il faut le faire avec les bons outils, enfin je veux dire. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir participé à quelque chose de grandiose. Oh, la totalité de ce truc, c'est qu'il y a eu plus d'un million de personnes qui se sont affrontées. Un million! Pour un petit bout de territoire! Et la France a tenu bon. Et ils sont la risée. Non, mais je l'ai pas pris, ça, j'y crois pas. Putain, j'y crois pas, je l'ai pas pris. Voyez dans quel état je suis. Non, la moralité, c'est que... c'est qu'on a tenu super bon. Qu'on a gagné. Parce qu'au final, quand le serveur s'est arrêté, toutes les autres couleurs, à part la couleur blanche, ont disparu. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus que mettre du blanc. Voilà, la seule couleur autorisée c'était le blanc, et c'était pour recouvrir. Petite minute, ouais non, c'est bon, c'est labyrinthique là. Tu pouvais juste recouvrir tout ce qui a été fait en blanc. Et là, ils ont commencé à écrire FR en grand sur la map, en hyper grand sur la map. Alors évidemment, bon, comme c'était des nuls, tu pouvais pas. La barre du R, parce que le F il a été fait. Le F, il a été fait, mais la barre du R qui est partie dans un sens puis dans l'autre, bon, c'était manque de coordination, mais c'est dans la panique. Mais globalement, il y a eu plus ou moins écrit France en dernier, en grand, sur la map,
Donc voilà, c'est pour dire que la communauté française est là, assurer le coup. J'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière cette porte. Hein. Vraiment, j'ai hâte. Hein. On a posé le truc derrière, c'est nickel, quoi. Voilà, on a résisté, on a résisté. Il faut que j'aille en haut. J'oubliais complètement. Bon, c'est possible d'aller en haut. Après, est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà, c'est pour aller à l'extérieur. Bon, bah, on est à l'extérieur. On a fait le tour, on a trouvé une petite grotte avec... Oui, un petit peu de trucs et ce truc-là. Un petit peu de super alliage et ce machin-là. Il y avait un satellite juste ici. Oui, il est là. Un petit satellite, là. Petit satellite. Je sais pas quand est-ce qu'il a pop, ce truc, mais... Ouais, bon, on peut tout prendre, hein. On peut tout prendre littéralement. Tiens, toi, tu restes. Toi, tu es précieux, en fait, hein. Toi, tu es ultra précieux, hein. Parce qu'on en a plus beaucoup, là, des graines à 400, hein. On n'a plus rien. Ça, c'est moi qui ai mis un pod. Je suis venu, ici. J'ai exploré. Il fut un temps pas très lointain. Et comme il n'y avait rien du tout. Voilà, comme il n'y avait pas grand-chose et que j'avais pas trouvé ce petit satellite. Je crois que je l'ai coupé en montage. Voilà, là-bas aussi, j'ai fait un pod. Putain, c'est rouge, hein. C'est rouge, hein. On a encore du boulot. On a passé les 500 000 de terraformation. On est content, on est ravis. Yeah! C'est bien. C'est franchement bien. Bon, les Ricains, on a gagné leur respect. Les Espagnols, comme des abrutis à la fin, alors qu'ils pouvaient, à part leurs deux traits de BTS, là, qui restaient, mais enfin, qui restaient, on les a effacés. À chaque fois, t'avais Zizou qui revenait. On voyait les sourcils de Zizou, c'était fantastique, c'était un régal. À chaque fois, ça revenait. Ils n'ont réussi à rien. Ils n'ont rien construit du tout. Toutes leurs attaques ont été déjouées. Toutes leurs attaques honteuses ont été déjouées. Avec des bottes qu'ils utilisaient en masse. Et crois-moi, leurs attaques sans les bottes étaient ridicules. Leurs attaques avec les bottes, on les a senties passer. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. Fallait pas paniquer à ce moment-là. Fallait vraiment pas paniquer. Là, il y a du 200. Ouais, bah, échange. Ah, du coup, il faudrait que je passe. Bah, bah, mange. Mange un truc. Ça, tu donnes. Ça, tu poses. Voilà, ça double la quantité d'oxygène. Putain, c'est joli, ça commence à pousser absolument partout. Ouais, la pression, c'est bon. Ce serait bien d'en faire un autre. On a un petit peu de... Ouais, faudrait repartir, hein, encore, hein. Faudrait pas... J'ai très, très envie d'explorer. Très, très envie d'explorer. On pourrait explorer à nouveau. Mais bon, un petit peu ce que ça donne. Alors, l'oxygène, qui est à 80, je pense que c'est vraiment vachement bien, hein. Je pense vraiment que c'est très très bien. La biomasse, ouais, ça commence pas mal. 65%, on va au 100%, hein. L'herbe. Ouais, mais l'herbe, quand tu dis l'herbe, parce que bon, ça pousse, quoi. Mais c'est pas incroyable du sion. Bon, pareil, je range tout. On repart en expédition, parce que je pense que ça suffit pas. Juste ça, ça suffit pas. Putain, ce truc-là, il faut le garder précieusement, je crois. Mais vraiment, vraiment précieusement, hein. Ça permet de construire quelque chose, je sais plus quoi exactement. Faudrait lancer des fusées. Oh, on n'a pas arrêté d'en lancer des fusées, OMG. Ce truc-là, le broyeur, on s'en fout. Ça, je sais à quoi ça sert. C'est-à-dire la barre d'uranium ou d'iridium que tu veux décomposer et avoir à nouveau les machins, tu le mets là-dedans. Mais on s'en fout, hein, franchement. Hein. Il y a ce truc-là qu'on pourrait en faire. On pourrait en faire quelques-uns, ouais. On pourrait en faire largement quelques-uns avec de la flotte. Mais écoute... Je vous dis à tout à l'heure, je prépare le tout, on en met 4-5 si on y arrive, parce que c'est pas grand chose. À tout à l'heure. Ok, chers amis, ok, j'ai fait de l'engrais, on en a plus. D'ailleurs, il va falloir vraiment, vraiment garder les aubergines pour l'engrais. Il n'y a qu'avec ça qu'on peut faire de l'engrais. Ok, du coup, il me faut... Attendez, bougez pas, on va faire la chose suivante. On va en faire... Je sais pas si je peux déjà... Je sais pas si je peux. Super alliage. Oui, mais on s'en fout, on peut en fabriquer. Hein. Donc il m'en faut 4 plus 3. Donc ça fait 8, 7 connards. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. La poudre explosive. C'est toi qui as besoin de poudre explosive. Je me souviens plus. Oui, il a besoin de poudre explosive. Bah, ça tombe bien, c'est là. Ça, j'en prends une et d'un et de deux. Il me faut les deux barres.
Hop là, ça il m'en faut deux. Ensuite, pour celui-là, de l'eau. Deux fois de plus de l'eau. Donc 4 d'eau, vu que je vais en garder pour moi également. Donc on devrait pouvoir fabriquer. Ah, et puis merde. On devrait pouvoir fabriquer. Alors, une fois le même réacteur qui est là, qui doit consommer sa maman. Hein. Je me demande, j'ai encore de l'uranium. Oh là là, est-ce que je vais pouvoir. Au pire, je le désassemble. Hein. Au pire, je le désassemble. En tout cas, le comment dire, le pattern, le graphiquement, voilà, ils sont beaux. Hein. Vraiment, les réacteurs sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est un pur régal. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Ça devient de la folie et c'est absolument génial. Ok, mise en place du bousin. Putain, j'ai pas pris les barres d'uranium. Mais non, pas le... Il est con, lui. C'est celui-là. J'ai pas pris les barres d'uranium. Oui, parce que c'est pas ça. Et voilà. Voilà un autre. Et ça, c'est classe. Ok, les épandeurs à fleurs, apparemment. T2. J'ai le T1. Oui, non, le T1, c'est ça, ça on a. Donc, on devrait pouvoir en fabriquer deux. Bah attends, c'est bon ça, tiens, regarde. Hop là, on est juste au milieu du truc. Est-ce que tu fabriques des fleurs que je vais pouvoir mettre dedans, là, pour augmenter l'oxygène? Est-ce que tu fais ça? Parce que vous faites pas ça, vous, hein, on est d'accord. Est-ce que je peux mettre une fleur dedans? Nani? Allez, Disney. Donc, en plus, tu fais de l'oxygène. C'est quoi? C'est une pluie de météores. Génial. Par les météores de Pégase. Donc, là-dedans, je pourrais mettre des fleurs. Ouah, j'espère qu'il y a du super alliage ou de l'uranium ou du... Truc intéressant. Allez voir tout de suite. Ouah, dis donc, oh. Il y en a d'autres. Ah putain, il y en a d'autres. Je crois que ce truc-là, c'est sacré. Je crois que ça, c'est le dernier machin à fabriquer. Ah, il me laisse pas le prendre. Ce truc là, c'est hyper rare. Il faut impérativement tout prendre. Il y en a littéralement pas. À moins que j'ai pas encore trouvé un endroit. Peut-être la porte qui doit s'ouvrir. Ah, l'oxygène. Donc j'ai des bases partout. Allez, mange, bois, fais pas chier. Il y en a deux, ça c'est sûr. Il n'y en a pas trois. Enfin, il y en a eu trois, je crois. Il y en a eu trois, ça c'est sûr et certain. Attends, et puis celui-là qui m'embête. Qu'est-ce que t'as? Bah, super. Oh là là, dis donc. Il y en a un en dessous. Il n'y en a pas un en dessous. Il faut faire le tour. Hein. Il faut aller dans l'eau et tout. Hein. Il faut aller dans l'eau. Une fois, c'est vachement bien que tout ne soit pas détruit après chaque chute de météore. Non, je vois pas grand chose. Je vois pas grand chose. Bon, de toute façon, alors je crois que ça dépop au bout d'un moment. C'est ça le problème. Donc il faut vraiment faire le tour. Je vois des choses là-bas. Ah non, ça c'est la capsule, c'est ça. Hein. C'est la capsule, c'est la capsule. Okay, là, y a rien. Et là, y a rien. Bon, bah, j'ai eu de la chance. J'ai pu en trouver 3 tout de suite. Ah, toi, tu brilles en blanc, tu me fais flipper. Ok. C'est pas mal. Le jeu est généreux. Ah, je crois. Le jeu est généreux. On va rentrer, on va prendre des fleurs. Il faut qu'on les mette dans les trucs, apparemment. Ça marche aussi. Non, c'est vachement bien. Donc, du coup, les épandeurs... à herbe. Oui, ça fait 3.
Bah merci, j'ai envie de dire. J'en ai mis combien? Je peux en mettre encore un. Hein. Je peux en mettre encore un. Ouais, non, ça tu ranges, s'il te plaît. Il faut qu'on aille voir les graines. Ce que j'ai de mieux en graines. Non, j'ai plus que du 200. C'est honteux. J'ai plus que du 200. Et puis après, je crois qu'il y a des épandeurs d'arbres. Je crois que j'ai encore des épandeurs d'arbres. Ouais, voyons voir ce que ça donne les trucs à fleurs, là. La biomasse en masse. On mettra là, non? Alors? Il est où le tout nouveau? Oh, il y a des fleurs partout! Oh, c'est mignon. C'est la fleur que j'ai mis dedans. C'est la fleur que j'ai mis dedans. Me dis pas que ça produit encore plus d'oxygène. Ok, toi, mets ça là. Toi, on va prendre, on va essayer de choper des fleurs à 600 et les mettre dans les nouveaux. Celle-ci aussi, ouais, à la rigueur. Mais je crois que ça. Les orchidées. 450, c'est pas mal. C'est pas mal, 450. Pareil, là, c'est 400. Là, c'est que du 300. Hein. Là, c'est que du 300. Là, c'est celle-ci, elle est à 600. Celle-ci, elle est à 600, mon gars. Du coup. Parce que, est-ce que... Justement, le fait qu'il soit tout beau, tout nouveau. Ah, d'accord, les fleurs ont disparu. On va en refaire un autre. Il m'en faut plein des comme ça. Je vais en mettre partout. La biomasse en masse. Il m'en faut un autre. Mais je peux pas en fabriquer, hein. Non, j'ai pas assez d'engrais. Parce que les... Oui, mais ça, on peut aller en chercher. On s'en fout. Maintenant, normalement, je devrais avoir même de quoi en fabriquer deux, peut-être. Parce que mon... Comment dire? Mes aubergines ont poussé, tout simplement. Allons-y. Allons-y, gamer. Et voir juste si l'électricité ne merde pas trop. On arrive à 600, chers amis. On arrive à 600. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça va, c'est bon. On est large. On est à 78%. On va passer l'herbe. On va passer l'herbe. Blablabla. Ah, oh, il s'est pas encore poussé. Je vous dis à tout à l'heure. Quartz pulsé. Comment ça, quartz pulsé? Je sais pas du tout ce que c'est. Attends, je crois qu'on peut le fabriquer là-dedans. Pourquoi c'est sombre ici? C'est pas grave, on panique pas, il n'y a rien de grave. Hein, elle se remet la machine. Un petit chien qui gratte. Arrête de tout. Ok, donc c'est pas là-dedans. Je crois que c'est là-dedans. Quartz pulsé. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce quartz pulsé? OMG. Où c'est qu'on le fabrique surtout? Je l'avais vu quelque part, mais où? Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est là. Oui, alors ça c'est un chien qui veut sortir, puis il voudra rentrer tout à l'heure. Ok, quartz pulsé, c'est quoi ça exactement? L'énorme quantité d'énergie, c'est un genre de pile. C'est un genre de pile, je sais pas où le fabriquer. Pour l'instant, je sais pas encore où le fabriquer. Attendez. Ah, bah oui, mais la bonne idée. Du coup, j'ai seulement deux. Deux aubergines, j'en ai pas trois. Oh, j'en ai pas trois. Donc je pourrais en faire qu'un seul d'engrais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Faire pousser plus d'aubergines, là. Oh, ça c'est plein. Je peux le manger? Non, je peux pas le manger directement. Nourriture. Tiens, range le truc. J'ai trop d'eau. Bon, là... Donc du coup ça me fait 3 aubergines, ça suffit pas. Ça
ça suffit pas, donc je vais pouvoir en faire qu'un seul. Oh, je peux en faire qu'un seul. Bon, bah, faudra faire pousser doucement, mais sûrement. Hein. Doucement, mais sûrement. Voilà, voilà. Je sais plus qu'est-ce que t'as besoin pour faire de l'engrais, s'il te plaît. Des algues et du soufre. Hein, on est d'accord. Hein. Des algues et du soufre. Je crois pas que j'ai encore du soufre. Si, j'en ai encore, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, beaucoup. Des algues, 1, 2, 3. Allons-y, on fait... Ah, mais t'en as besoin de deux ou d'un seul? De deux, hein? Parce que j'en ai un sur moi. J'en ai pas un sur moi. Du coup, je peux pas en faire. Bah, bravo. Du coup, je peux absolument rien faire. C'est terrible. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Là, c'est terrible. Je peux pas faire. Parce qu'il en a, il a besoin de deux. Il a besoin de deux d'engrais. Évidemment, je ne peux pas en faire. Je peux en faire qu'un. Je peux en faire qu'un, mais c'est tout. Vu qu'il me faut plus d'aubergines. Non, vous êtes chiant avec vos aubergines. Et il faut planter plus de d'aubergines. Ok, donc le bioplastique, pour l'instant, on s'en fout. Attends, c'est là. Plus d'aubergines. Tiens, mange ça. Pose ça, les champis, pose. Prends les aubergines, 1, 2, 3, 4, allez, 5, je crois que c'est bon. Et puis, bah, tant pis, bah, la prochaine fois. La prochaine fois. Hop là, ça, tu plantes. Bah, sans doute à la fin de l'épisode. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Putain, je viens de le laisser tomber. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire, that is the question? J'ai planté une courge. Pas besoin, mais j'ai planté une courge. T'en fais une belle de courge. Ok, j'ai démonté le truc. J'ai pris quelques fleurs parce que maintenant, du coup, elles donnent en plus de l'oxygène, en plus de faire pousser de l'herbe. Mais moi, tu vois, je savais pas. Je sais pas si c'est nouveau, les épandeurs d'herbe là. Je sais pas si c'est nouveau qu'ils puissent. Parce que j'ai. Non, je sais plus. Je crois que j'avais essayé. Donc, du coup, tous mes épandeurs d'herbe. Regarde, ils font des fleurs en plus. T'as vu? Sauf que j'ai mis du truc. Donc normalement, vous produisez de l'oxygène. Multipliez l'oxygène par 300. C'est génial! Non, c'est celui-là. Par contre, c'est le niveau 2. Ah bah, ça tombe bien. Heureusement que j'ai un engrais sur moi. Et là, bah... Ouais, tu mets quand même quelque chose qui claque, genre 450%. Ça dit, il faudrait le réserver... Ouais, 600%, ouais, mais... Il faudrait le réserver au gros, là. À celui-ci. Celui-là, j'ai déjà 600%. Regardez, ça fait des belles fleurs sur le côté. Alors, il paraît, à un moment donné, il y a des insectes aussi qui doivent arriver. Regardez-moi ce champ de fleurs. Il y en a absolument partout. Il y en a absolument partout. Bon, bah, c'est fantastique, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, écoute, je vais laisser mes autres fleurs dans le truc vide. Je les récupérerai un peu plus tard. Bah, je vais faire un coffre, oui. Est-ce que j'ai de la bouffe? Est-ce qu'on est prêt à partir? J'ai un peu d'eau, j'ai un peu de bouffe. Je sais plus ce que j'ai envie de visiter, mais j'ai envie de visiter autre chose. J'ai envie d'aller à la chasse aux matériaux. De toute façon, il faut, hein. Il faut. Passer par là, c'est inutile. La grotte là-bas, on l'a fait. Plutôt par là-bas. Je sais pas. Aller revoir l'épave, vite fait. Peut-être faire le tour sur le côté. On va partir. On va partir, je vous dis à tout à l'heure. Un petit peu d'exploration, encore. Chers amis, on part à l'aventure, compagnons. On avait visité tout ce coin intérieur, mais... Oh, bravo. Magnifique. Zéolite. De Zéolite. On avait visité tout ce coin là-haut. Là, mais c'était... Oh, je sais plus. Je crois que c'était vraiment pendant le prologue, en fait. Donc c'était pas... ouais, de l'alu. Ça en prend, c'est toujours bon, ça, de l'alu. Ouais, tu vois, il y a plein d'alu ici aussi. Il faudrait mettre une carie. Il faudrait mettre un truc à percer, là, une... Ouais, largement. La luce, c'est bien, on en a besoin. Ça pousse pas sur les arbres, malheureusement. Je sais où on est, hein. Je sais où on est, vous en faites pas.
Voilà, ça, on avait visité là-haut. On a visité aussi le bas, grosso merdo. Vite fait, je crois. On peut quand même visiter un petit peu, ça fait plaisir. Alors malheureusement, c'est pas un vrai jetpack. Bon, est-ce que vous avez... Vous avez rien mis là-haut, hein? Et moi, j'ai tout pris ici, hein. Ouais, bah... ouais, bon, bof. Bof, bof. Ah bah ça, on peut prendre. Et puis ça aussi, alors, ailleurs. C'est bien, ça. C'est un petit creux. Je ramasse les restes, là. Hein. Vraiment, c'est pitoyable. Mais c'est vraiment une question de reste. Il n'y a pas grand-chose pour moi, en fait. Oui, c'est le niveau 3. Attends, niveau 3, c'est 45%. Tu te fous de ma gueule? Oui, c'est ça. C'est le même que j'ai déjà. C'est le même que j'ai déjà. Je voudrais aller par là. Non, là, il n'y a rien. Ah! Fusée. Épandeur de graines. Faudrait essayer d'aller là-bas. Oh, tu vois, ça, c'est le problème. Tu vois, ça, c'est... Ils volent pas, le truc. Pff. Comme un hoverboard dans Retour vers le futur. Tu te pètes la gueule. Putain, par contre, l'oxygène est allé vite. On va essayer de faire le tour, voir un petit peu ce qu'il y a là derrière. Ça peut faire plaisir. Et puis on peut essayer de lancer une petite fusée dépendeur de graines. Ah, mais il y avait rien avant. Voilà. Là, il y avait rien. Maintenant, il y a un canyon. Ah, je me souviens, il y avait rien. Il y avait rien du tout. Maintenant, il y a un grand canyon. Waouh, ça c'est nouveau, ça m'excite. Je vais faire un pod là en dessous. Putain, il y a des trucs. Je vais faire un pod là en dessous. Il y avait rien, maintenant il y a des trucs. Génial, faisons un pod. Hop là. Ça je prends. Ça je prends. Donc c'est loin et c'est ici. Enfin je veux dire c'est... Faut faire le tour. Faut faire le tour. Par contre, est-ce qu'on peut... Ouais, 2 de titane. Il faudrait 3 de fer. C'est génial. C'est gigantissime. Titane, fer, du silice, s'il te plaît, là. Ok, donc du coup, il faut pas se perdre, on vient de là. Évidemment, il va y avoir des coffres partout. Petite safe zone, là, safe space. Un de fer, là. Voilà, on respire un petit peu, et on repart. J'ai à manger, j'ai à boire, j'aimerais bien des puces. On prend 300%, et sur un, on prend les deux, quoi. Bien que c'est pas la peine. Ah d'accord, donc là on voit l'anneau, le grand anneau. Là, un petit peu de zénith. Grotte. Grotte. C'est fantastique, j'adore explorer. J'adore voir des nouveaux. Waouh, super, il y a plein d'iridium, on en a besoin. Allez. Pardon, la lumière est un peu nulle. Hein. La lumière est un peu nulle. Je pense qu'il faudra revenir. Hein. On peut pas tout prendre tout de suite. Cela dit, si. Mais j'aimerais plutôt explorer le reste. Donc là, je sors de la grotte. Là, je rentre de la grotte. Petite grotte avec de l'iridium. Ok. Oui, mais là, j'ai... Non, ça c'est du machin. Bon bah super là, c'est bien. Celui-là adore l'exploration. J'aimerais bien trouver une base, je vous le cache pas. Et puis c'est gigantesque. Hein. De la lude. Enfin, il faut. On peut tout prendre. Hein. Là on peut tout prendre. J'en étais sûr. C'est toujours le problème. T'as jamais les poches assez grandes. Toujours le même problème.
Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. Ça, ça fait plaisir. Est-ce que j'en fais un autre? Oh. Oh. Il va falloir abandonner certains trucs. On se fait un safe space ici aussi, hein. Bon, l'alu, ouais, mais tu peux boire. Tu peux manger. Hop là, deux de métal. Deux de métal, on s'installe. Et on explore. Putain, c'est incroyable la technologie de ces gens qui sont pas foutus. Mais pas foutus de piloter un vaisseau sans se crasher. Ok, donc pareil, métal. Ils savent faire que se cracher, il n'y a pas un seul vaisseau en bon état. On est littéralement capable de désintégrer la matière, les mecs, mais incapable de se poser correctement sur une planète. Ouais, mais il y a eu une tempête. Oh, ça va, hein. Tu sais pas que dans l'espace, sur les planètes, il y a des tempêtes. Est-ce qu'il y a un souci, il y a? Faut pas partir dans l'espace, monsieur, hein. Ah, donc là, il y a un. Lire un message. Collecteur privé. Ordre de mission reconnaissance. Un nombre anormal de vaisseaux de diverses compagnies ont disparu dans le... Oui, c'est ce que je disais. Un Prime. Allez-y, signaler toute information utile. Objet principal, enquête dans le secteur. Trouver la raison pour laquelle certains vaisseaux semblent avoir disparu. Trouver le signal. De vie hostile. Identifier un vaisseau. Écraser le signal de leur... Enregistrement. Marchandises trouvées. Ouais, c'est de la mode. Ah, ça, ça fait plaisir. Ce que j'aimerais. Vous savez ce que j'aimerais. Oh, putain. De la poudre explosif. Du bioplastique. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Bah tiens, prends le truc aussi. Ouais, on en a plus ou moins besoin. On peut rentrer là-dedans ou pas? Normalement oui, c'est pas possible que ce soit pas le cas. Ah, on peut pas. C'est honteux. Mais c'est honteux, c'est pas possible. Oh mais non, tu me fais pas un vaisseau juste comme ça pour de rire. Putain, il est beau en plus. On dirait l'Avenger, là, le vaisseau. Un jour, il faudra qu'on joue à Star Citizen, hein, chers amis. Hein. Vous savez que j'adore l'espace. Vous savez que, bon, bah voilà, Tatsu, il veut partir, hein, là-haut, dans l'espace, avec les extraterrestres. Mais il peut pas. Mais il peut pas. Donc, ce serait bien d'un jour acheter Star Citizen et y jouer, tout simplement. Qu'est-ce que je peux manger? Un peu d'alu aussi, à la rigueur. L'alu c'est bien, l'uranium c'est mieux. Bon moi j'ai les poches pleines, hein. Il faut qu'on rentre, hein, chers amis, là on n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'on rentre, d'autant plus que la route a l'air... Ah il faut visiter le reste. On vient de faire le tour du canyon là. Bah oui mais le reste... Oh bah tiens, parfait. On vient de faire le tour du canyon. Attends. C'est quoi ce truc bleu? Ouais, c'est une caisse. Mais je l'ai déjà dû la prendre parce que là, j'arrive par là. D'accord. Je l'ai pris. Oh putain. Je sais pas si je l'ai pris. Bien sûr que si, je l'ai pris. J'ai pris ce qu'il y avait dedans. Voilà, qu'est-ce que je disais? Parce que là, on arrive par là, la grotte, tout ça, là où j'ai sécurisé le pod. Bon, bah, je vais rentrer. Hein, doucement, mais sûrement, faut trouver la sortie. Ouais, bah, elle est là. Elle est là, la sortie du canyon. Tout va bien. Une petite grotte, une petite épave un peu nulle. Ah bah tiens, voilà ça, celui-là c'est nouveau, ça. Ça, j'y plus, en fait. Ça, j'y plus. Qu'est-ce que je peux laisser? Donc, c'est relativement précieux. Même ça, c'est précieux. Oh, putain. Même ça, c'est précieux. Bon, là-bas, normalement, on sait, mais il faudra revenir explorer de toute façon. Je rentre. Je vous dis à tout à l'heure.
Ok, manipulateur d'ADN que je viens de trouver. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Manipulateur d'ADN. Ah bah, il me faut un quartz. Il me faut un quartz. Il faut que je trouve comment en fabriquer un, surtout. Manipulateur d'ADN. Mais est-ce qu'il serait pas là-dedans, le quartz, là? Mais non, mais c'est pas possible. Mais il... Qu'est-ce que vous avez... Il est là-dedans. Il est là-dedans, d'accord. Eh bah, c'est facile à faire. Facile à faire. Allons-y, fabriquons-le. Fabriquons-le. Iridium. 1. Uranium. 1. Ce truc-là, regardez, on en a plus. On en a plein. On en a plein. 1. Et puis, il fallait autre chose. Mais je sais plus quoi exactement. Est-ce qu'il fallait pas un morceau de... d'osmium, là? Je pense que c'est ça. C'est que des cristaux, en fait. Globalement, c'est que des cristaux. Ouais, c'est ça. Ok, ça c'est fait. Ça c'est bon, hein. Ça c'est bon, ça on s'en fout. Manipulateur d'ADN. Bioplastique, explosif, ça tombe bien. J'ai toujours un peu d'explosif sur moi. Ça fait plaisir. J'ai rangé le truc. Il est là, le super alliage. Un petit peu d'explosif, bien sûr, comme d'habitude. Allons-y. Manipulateur d'ADN. Je pense que c'est pour faire des croisements avec les plantes et tout. C'est ça, hein ? Recherche. Ok, super. Ok. Ok, on va juste... Dis-moi qu'il y a un réacteur là-dedans. Satellite GPS 2, ouais, super, super, on est ravis. Le GPS, le tout ça, oui, génial, j'adore. Cela dit, il y a plein de zones que j'ai pas encore fait. Hein. Cela dit, il y a plein de zones que j'ai pas encore fait. Ouais. Vous êtes prêts? Oui, c'est bon, vous êtes prêts. Attends, mais j'ai rien mis là-dedans, OMG. J'ai rien mis là-dedans. Ok, de quoi faire de l'engrais. Ouais, il m'en manque une graine, une graine. Donne la graine de papa. D'accord, de quoi faire des graines, de trucs. Ok, alors comment on se quitte? That is the question. Est-ce que je fabrique? Ouais, on pourrait faire ça. Hein. On pourrait faire ça. Hein. Il faut fabriquer un réacteur. Fabriquer un réacteur, aller voir. Petit lancement de fusée. J'aime bien les lancements de fusée. School. School. Barre d'iridium. Super alliage. De d'uranium. Petit réacteur, ok, uranium, 1, 2, iridium, j'ai une barre qui traîne, et je sais plus, déjà, super alliage. Super alliage, bien évidemment, je pense qu'il en faut qu'un. Et la biomasse, il faut que j'aille voir ce qu'il veut exactement. Voilà, réacteur. On va se préparer une petite fusée, là. On va pas l'emmerder, ce coup-ci. On va la laisser décoller gentiment. La biomasse. Faudra quand même se... Ouais. La chaleur et la pression. Bon, bah, on a deux nouveaux radiateurs, là. Ils sont pas faciles à faire. Il faudra beaucoup d'iridium. Il faudra que je retourne là-bas. Et peut-être même faire des fusées pour que l'iridium y tombe. J'ai pas l'impression d'être trop en retard parce qu'on est déjà à 700, on est déjà à 700K. Hein. Ok, satellite, il faut deux puces à la con. Et il faut, ok, satellite GPS niveau 1. Et donc ça c'est l'épandeur de graines. Ça c'est le niveau 2. Ah, et donc il faut un mutagène. Un échantillon et un mutagène. D'accord, l'arbre. Échantillonnage bactériologique, mutagène. Oh, je sais pas si je peux faire ça. Je vous dis à tout à l'heure. Donc il faut un comme ça, mais c'est facile, c'est faisable, parce que j'en ai.
Donc il faut fabriquer deux. Donc du coup, au niveau des algues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il m'en faut un ou deux, je sais plus. Il faudra aller les chercher. Du soufre. Si j'en ai encore du soufre. Putain, j'en ai 3. Ok, donc il faut ce truc-là, cette boîte à pétrie. Et là, il m'en faut une, donc il faut en fabriquer deux pour en avoir une. D'accord, juste de la flotte. Je crois qu'il en faut plein. Plein, plein, plein. L'eau, c'est la vie, tout ça, tout ça. Voilà, encore une fois d'eau, j'ai plus de place dans mes sacs. Je fais un beau de sac. Bois celle-ci. Ah, attends, prends-en plus. Ok. Donc ce truc là, maintenant on a cette cartouche de méthane. C'est du méthane. Et on va pouvoir y aller. Donc le réacteur, je l'ai sur moi. Je prends deux super alliages. Et c'est parti. Alors on a de l'engrais. On va pouvoir mettre encore plus de... Ah, oh, on pourrait faire la... Ouais, mais non. Parce que j'ai pas de... GPS niveau 2, là, ça serait pas plus mal. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Mange des aubergines. GPS niveau 2, on pourrait le lancer aussi, hein. Ok, j'ai un réacteur. Est-ce que j'ai assez d'iridium? Non, l'uranium, non. Une, deux... Ouais, mais non, j'ai pas assez. Tu vois, j'en ai plein là-bas, mais j'ai pas assez ici. Bon, bah, tant pis. Je le ferai pour la prochaine fois. C'est pas dramatique. Je peux malheureusement pas. Les sacs sont trop petits. Les sacs sont trop petits. Mais pour finir, comme d'habitude, petit lancement de fusée. C'est pas grave, on a plus assez d'iridium, il faut que j'aille en chercher. Mais en tout cas, on maîtrise nos technologies et ça fait plaisir. Et donc l'arbre, j'ai oublié l'arbre. Voilà qui est fait. Ok, blablabla. On est d'accord. Donc, fusée d'épandage de graines donne un bonus de génération d'oxygène global. Ok, donc c'est le T2, hein, on est d'accord. Graines depuis l'espace. Très très logique. Des graines depuis l'espace. Faut voir s'il est beau. Et... Ah bah oui, voilà, il y a une fougère dedans. Une fusée avec une fougère. Vers l'infini et au-delà. Adieu. Fais ton office. Ça va, c'est parti là-haut. Et pas sur le côté. Donc c'est bien, on a bien travaillé. Voilà, encore un petit un lancement réussi. Encore un lancement réussi, chers amis. Et voilà, déjà là, tout de suite, un bœuf. 745. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. La biomasse. On va en faire partout. Partout, partout. Bref, chers amis, on a bien travaillé. Dis donc, là, il y a de l'eau. Je pense que c'est... plein depuis un petit moment. 4 réacteurs nucléaires, on va sûrement devoir en fabriquer un 5e, un 6e incessamment sous peu. On va voir un petit peu, l'herbe on a fini, hein. Donc on est à l'étape des arbres. On est tout simplement à l'étape des arbres. Voilà, voilà. Je sais pas trop comment, le pourquoi du comment manipuler. Il faudra manipuler des ADN pour changer des trucs. Oui. Rien du tout. T'es comme ça, toi. D'accord. Les flowers. Bon, bah, on arrête les légumes. Apparemment, il en a rien à carrer. Tiens, je prends un arbre. Je prends un truc à 600, là. Je prends un truc à... Oh ! Alimentaire. Ah, d'accord, c'est le niveau 2 de ces trucs-là. Ouais, à la rigueur. À la rigueur. Donc, du coup... Fais quelque chose. Rien ! Mais il te faut une correspondance. Il te faut quoi ? Bas. Tu peux me faire des arbres d'aubergines? Non. Peux me faire des haricots verts à fleurs? Non. Bon bah il veut pas. J'en sais rien. Il faut que je voie comment ça marche cette histoire. Chers amis, on va s'arrêter là.
Bah, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein, super. Que dire à part revivre la France, hein, on l'a bien défendu, Tatsu il est ravi. Pardon, j'étais un petit peu claqué. Fait de l'exploration, on a construit des trucs, on a lancé une petite fusée. Ça va, hein? Ça va, l'herbe apparemment est à 100%. Alors, est-ce que ça veut dire que, bah, pas la totalité de la map, mais j'imagine qu'il y a des petits morceaux d'herbe comme ça sur la totalité de la map. C'est pas plus mal. Voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tatsu il se promène, il aime le jeu, hein. Franchement j'aime le jeu, vraiment, vraiment j'aime le jeu. Bah, gros pouce bleu, gros abonnement, prenez soin de vous, vive la France, tout ça, des bisous. À la prochaine.